bonsoir. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. I'm glad to be with you tonight. Mes premiers mots iront à mon épouse. Merci beaucoup pour m'avoir supporté tout au long de cette campagne depuis mon annonce. On avait réfléchi ensemble. Et eh bien oui, écoutez, je suis très déçu ce soir, déçu de ne pas pouvoir diriger ce conseil de ville. Je pense qu'il y a des candidats et des élus qui sont très intéressants au sein du conseil. Ça m'aurait fait plaisir de travailler avec vous. Alors, bien oui, on a mené une bonne campagne, je pense. Et tout d'abord, un gros merci à John Sharp, mon agent officiel, et à sa conjointe Lorraine, bien sûr, deux super bénévoles. Un gros, gros merci. J'ai beaucoup apprécié de travailler avec vous. Vous savez, vous êtes ma deuxième famille. Merci beaucoup. Merci à tous les bénévoles. Il en reste encore quelques-uns qui souhaitaient les résultats le 1er novembre. Et je regarde l'heure, là, on n'est pas sûr, c'est le 1er ou le 2. Là. Donc, mais merci d'être encore avec moi. Vous êtes très, très fidèles. Je vous remercie énormément. Vous avez vu les résultats. Ce sont des scores serrés. Et ça représente bien ce que moi, je sentais sur le terrain lorsque je me promenais. Les citoyens avaient beaucoup à dire. Je pense qu'il y a beaucoup à faire pour notre ville, beaucoup d'affaires à l'interne, beaucoup à faire également pour maintenir et augmenter notre population, également améliorer notre économie. Donc, il y a beaucoup à faire et c'est certain que les élus pourront regarder le score et en tirer les conclusions qui s'importent. Quant à moi, je n'ai pas l'intention de poursuivre quelque carrière politique à court terme. Je vais profiter pour rattraper le temps perdu avec mon épouse, avec mes enfants et mes amis et toutes les causes pour lesquelles je m'implique. Donc, je remercie beaucoup toute la population quand même qui m'a fait confiance. Je remercie toutes les personnes, le personnel de la ville, le personnel d'élections également. Je vous souhaite tous bonne chance. Et moi, je sors la tête très haute. J'ai gardé mon intégrité. J'ai toujours travaillé très fort et ça, j'en suis fier. Fier d'avoir amélioré les collectes de matières résiduelles, entre autres. Nous sommes parmi les meilleurs dans le monde maintenant, ici même à coaticook. Et pour l'accès à Internet à haute vitesse, je suis très fier que le dossier a évolué. Et ça s'en vient. C'est un gros plus pour notre communauté. Alors moi, je souhaite au conseil, à M. Lamoureux, tout le succès que la ville a besoin. Parce que nous sommes dans une situation qui est difficile. Nous avons perdu beaucoup d'emplois. Nous avons perdu des citoyens. Et je pense qu'il faut travailler très, très fort pour faire de notre ville une ville meilleure. Alors, merci à tous et bonne soirée.